Bonjour à toutes. Aujourd'hui sur Cuisine du Monde, je vous propose de sortir des sentiers battus et de servir à vos invités, à la place du traditionnel plateau de fromage, quelque chose d'un peu plus original, une poire conférence farcie au bleu d'Auvergne et à la noisette. Vous verrez, l'association est subtile et la recette enfantine. D'ailleurs, la préparation, c'est maintenant et en images. Pour cette recette, il vous faut 2 poires conférences non traitées, 1 citron, 100 g de bleu d'Auvergne, 2 à 3 cuillères à café de crème épaisse, 2 brins de thym, des noisettes torréfiées, du sel et du poivre. La première chose à faire dans cette recette, c'est de préparer la crème au bleu d'Auvergne qui va farcir nos poires conférences. Donc, commencez par couper votre fromage en petits cubes. Ensuite, débarrassez dans un bol. Ajoutez 2-3 cuillères à café de crème épaisse. Et pour le goût, ajoutez un peu de thym, du sel et du poivre. Enfin, écrasez le tout grossièrement à la fourchette. Lorsque vous allez préparer vos poires, je vous conseille d'avoir à côté de vous un bol d'eau citronnée dans lequel vous allez tremper vos poires pour éviter qu'elles ne s'oxydent. Découpez vos poires en deux. Retirez les pépins. Creusez la poire. Mais n'oubliez pas de conserver la chair que vous ajouterez à votre farce. À ce stade-là, garnissez vos poires de farce. Puis parsemé de noisettes torréfiées. Enfin, enfournez dans un four à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Et pour celles qui n'auraient pas prévu de plateau fromage, vous pouvez toujours servir la poire en entrée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Terra Femina.